Je vais partir avant toi. Oui, c'est ça. Maman, j'ai un cancer. Comme papa. Et je suis foutue. Mais non. Si, puisque je te le dis, je suis foutue. Et chacun son truc, hein. Toi, tu t'emballes pour des millionnaires qui tapent dans un ballon. Moi, je m'emballe pour celles qui dépensent leur pognon. Ça n'a aucun rapport, Vanessa Paradis n'est jamais sortie avec un footballeur. Mais parce que les actrices ont du goût, mon amour. Tu imagines qu'une femme puisse être assez intéressée par l'argent pour vivre avec Ribéry ? Elle pouvait à peine parler. J'ai insisté parce que ça me faisait flipper. Et elle a fini par lâcher. Il m'a violée. Et puis plus rien. Ça a coupé. Mirmont a rejoint Paris en plein voyage officiel. Quoi, il a pas été voir le chancelier ? Non, apparemment, il a repris un avion sur Paris dans la demi-heure. Bon, ça fait 15 ans que je suis dans ce bureau. Ben, j'en parlerai aux huissiers. Non, non, ça va, je m'en charge moi-même. Il est où, Stégoffin ? Ben, il est déjà installé. Non. Si. Oh. Qu'est-ce qu'on a ? Une intox au benzo, je laisse gossis tous les deux. Ok, c'est pas bon, on lui injecte le flumazénil. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes à l'hôpital, madame, vous avez fait une tentative de suicide. Hé, hey, salut Simon, ça va ? Bonjour, je viens voir Ludovic. T'as rendez-vous ? Il faut un rendez-vous maintenant ? Non, mais Ludovic a un client, donc j'appelle Virginie. Merci. Je sais que tu me comprends, je le vois dans ton regard. Pourquoi t'as tué Jacob ? Il t'a fait quelque chose ? Il t'a dit quelque chose qui t'a mis en colère ? En fait, t'es vraiment à part. Oh. Salut ça. Les puceaux, ils sont tellement enthousiastes. Enfin, je vous conseille de prendre une journée de RTT quand même demain. Bon, bah tu sais quoi, Issa ? Tout compte fait, je crois que j'ai rendez-vous. Alors on se rappelle. Hein. Pré-salé de cuisson et la caille pour madame. Non, j'aime pas trop la caille, moi. Est-ce que je peux... Non, fais-moi confiance. Alors la caille est servie sur un pressé de châtaigne avec espuma de foie. Oui, je vous remercie, c'est gentil. Merci beaucoup. Très bien, monsieur. Bonsoir. 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 Ça a été ? Super, elle s'est endormie sans problème. Cool. Je vais chercher mes affaires et j'arrive ? Oui, je t'attends. Vous savez qu'il y a du bisphénol dans vos bubons ? Bonjour madame. Alors, non, absolument pas. C'est interdit depuis des années. C'est obligé qu'il y en ait. Non, pas dans ceux-là. L'accident aurait-il pu être évité ? Autant de questions qui restent en suspens, tandis que le personnel du magasin, sous le choc, se refuse à tout commentaire. Le bureau de monsieur Dorfman, s'il vous plaît, je suis Alain Delorme. Oui, monsieur Delorme. Alors, vous êtes attendu, c'est juste ici. Ou plate ou pétillante ? Plate, s'il vous plaît. Merci. De l'eau ? Non. C'est juste que... ça me fait toujours un peu bizarre quand on me dit que... que Gabi me ressemble. Physiquement, tu veux dire ? Bah, les deux. Il a un peu de mon caractère aussi. Ils s'aiment désespérément. Ils passent tous leurs moments ensemble. Oh yeah, I remember now. It's more than once or twice. You must be a huge fan of my store. Well, not just the store. Let's have a walk, if you don't mind the company.